Avez-vous compris pourquoi Elisabeth et Arnaud Ducré étaient... Affirmatif. Mais s'il y en a un qui sait le pourquoi du comment ici, c'est JNB, le gars de Coulommiers qui sent très fort. Notre rédacteur en chef. Oui, qui sent Coulommiers, qui vous sert de factotum juste avant l'émission. Quand vous lui avez demandé le nom des invités, il sent fort avant l'émission, mais juste avant l'émission, quand vous lui avez demandé le nom des invités, la raison de leur venue, après qu'il vous ait répondu « Arnaud Ducré, Alice David pour un film, Monsieur Je Sais Tout ». Tout en lui balançant un bourre-pif, vous avez hurlé. Primo, tu te fous pas de ma gueule en m'appelant Monsieur Je Sais Tout. Deuxio, ok pour Alice David. Mais Arnaud Ducré, ça fait 36 fois que tu l'invites. Dans la bande originale, j'ai épuisé tout le stock des questions, de tes questions, que je peux lui poser. Mais au mon maître, dans ce film, Arnaud Ducré joue le rôle d'un ancien joueur devenu entraîneur de jeunes footballeurs. Ah, nom d'une fellow, tu pouvais pas le dire plus tôt. Ça change tout. Le foot, c'est le seul sujet que je maîtrise à fond, parfaitement et sans tes fiches. Si je peux parler foot avec Ducré, ok, je prends. Voilà comment s'est préparée cette émission, Madame David. Mes hommages, madame. Et Monsieur Ducré, bonjour. Bonjour, monsieur. Pour ma part, j'ai beaucoup aimé Monsieur Je Sais Tout. Et le coach que vous incarnez, On dit coach. En France, on prononce... Ça s'écrit coach, mais c'est coach. En France, on est chez nous. Oui. Le coach, si vous voulez, que vous incarnez, Monsieur Ducré est un gars comme je les respecte. Qui en a dans le froc, avec toutes les qualités, autorité, intransigeance, virilité, qui font les meneurs d'hommes. Mais il y a un bémol. Je trouve qu'il se laisse, je vous en ai parlé un instant, qu'il se laisse un peu trop attendrir. Tout d'abord par la charmante Toubib que vous incarnez, Madame David. Ceci dit, à cette Toubib, je lui tire mon képi, car en exerçant son métier comme elle le fait dans un milieu d'hommes, elle montre elle aussi qu'elle en a dans le froc. Alors, autre bémol, cher Arnaud Ducré, je trouve que votre personnage se laisse également un peu trop attendrir par son neveu, un gosse insupportable, sous prétexte que ce gamin est allergique aux asperges. Alors, pendant que j'y suis, je ne sais pas si j'aurai le temps, j'aurais voulu aussi évoquer, pour terminer, un de mes légionnaires qui, à Chelon, au cabaret L'Œil de Bronze, dans le quartier chaud de Saigon, avait pour surnom l'aspergeur. Mais ça sera pour une autre fois, ceci, car moi, c'est à votre bande d'incapables que je suis allergique, Nagui. Et puis, à cause de mon handicap, je dois vous laisser en vous souhaitant tout de même une bonne émission. Merci, à bientôt. La bande originale, Nagui, sur France Inter.